Je crois, Marcel Doisy, qu'un des grands avantages, un des grands intérêts d'une compétition comme celle-ci, c'est qu'elle offre, du fait de la succession des candidats, une grande variété de contrastes. Et puisque nous sommes en ce moment en train d'attendre la délibération du jury qui travaille, je crois que nous pourrions en profiter pour faire notre petit tour d'horizon personnel. C'est ça, ce qui d'ailleurs ne signifiera pas un jugement définitif, ça va de soi. Non. Eh bien, je crois que pour le candidat que nous venons d'écouter à l'instant, qui s'appelle Kremer, rappelons-le, mon Dieu, il faut avant tout louer sa vaillance, son éclat, son panache, tout en se disant qu'il manie parfois un peu son archet comme un sabre de cavalerie et qu'il monte à l'assaut de la musique, avec une très belle vaillance d'ailleurs, mais on souhaiterait parfois trouver chez lui une certaine détente, une petite oasis où la vie intérieure puisse se glisser avec un certain raffinement que l'on trouve alors chez d'autres concurrents. Oui, et précisément chez une concurrente qui est la concurrente belge, Madame Delcourt, et dont, je crois, une des principales qualités est précisément la finesse, la distinction. Oui, vraiment, une finesse, une sensibilité, une intuition musicale, et aussi, tout cela va de pair, une sonorité veloutée, très joliment maniée, une véritable musicalité. Que l'on peut vérifier dans une œuvre dont il nous est arrivé de dire un peu de mal, le Concertstück de Saint-Saëns. Et c'est le meilleur éloge qu'elle ait fait de la vraie musique avec ce Concertstück. Il y a un concurrent qui a fait une très bonne impression, qui a rallié les suffrages d'un certain nombre de spectateurs, c'est le français Kantorov. Et lui, précisément, nous offre aussi un bel exemple d'un talent très varié, qui a beaucoup de facettes. Oui, là, c'est d'ailleurs assez surprenant, étant donné son âge, sauf erreur, il doit avoir 21 ans. On a l'impression d'un talent complet, qui est déjà en très très grande partie épanoui, et qui est réellement, comme vous le dites, est complet, parce que la technique est très belle, elle est parfois éblouissante, et en même temps, il y a une musicalité de très haute tenue. C'est vraiment déjà un violoniste de classe, et il nous l'a prouvé d'ailleurs dans des œuvres aussi diverses que cette terrible sonate d'Isaïe, qui est une des plus redoutables pages qui soit, et par exemple dans un concerto de Mozart, dans la sonate d'Isaïe, il a réussi à vaincre les pires difficultés avec énormément de brio et de sûreté. Lorsqu'il passe, disons, de cet univers d'un romantisme assez exalté, qui est celui d'Isaïe, à l'univers du classicisme, de la discrétion par excellence, qui est celui de Mozart, eh bien, il y respire tout à fait naturellement.
Peut-être moins brillant que Kantorov, il y a un concurrent qui est l'Israélien Epstein, mais qui, lui, a beaucoup de sérieux, beaucoup de profondeur. Oui, disons tout de suite que le sérieux doit s'entendre ici dans son meilleur sens, dans le sens vraiment élogieux. On sent que c'est un garçon qui analyse les œuvres en profondeur. Son interprétation est très fouillée. Tout son jeu converge vraiment vers la réalisation de la pensée musicale. Il est musicien jusqu'au fond de lui-même et il a réellement réussi à le prouver. Et il a été certainement un de ceux qui ont le mieux interprété la sérénade concertante de Paul Baudouin-Michel, par exemple. Il y a tout un peloton de concurrents soviétiques qui ont fait très bonne impression. Et l'un d'eux, le concurrent qui s'appelle Ricine, a en outre, il me semble, un mérite, c'est qu'il a inscrit une œuvre que l'on entend assez rarement, une œuvre intéressante, qui est une sonate pour violon seul de Pauline Demy. La poésie, personnellement, je la verrais incarnée d'une façon élective chez la concurrente bulgare, Mademoiselle Milanova. Oui, je crois vraiment que ce que vous dites, incarnation de la poésie, c'est ce qui peut le mieux définir cette personnalité qui est vraiment une très belle nature de musicienne. Une musicienne qui a à la fois un instinct très riche, une intuition très fine, le contrôle de l'intelligence et qui dispose de moyens d'exécution qui sont vraiment extraordinaires, qui sont d'une richesse qui séduit à tous les égards d'ailleurs, que ce soit quant à la sonorité ou quant à la virtuosité qui est extrêmement brillante. Mais ce qui me frappe le plus chez elle, c'est la qualité de la poésie. Et je trouve qu'elle l'a montré particulièrement dans le poème de Chausson, qui n'est pas seulement une page de passion, mais qui, par exemple, au début, exige véritablement la naissance d'un élément poétique au moment où le thème semble véritablement sortir du halo pour se former et pour s'exprimer.
Et lorsqu'elle passe de l'univers de Chausson à un univers qui, malgré tout, je crois qu'on peut le dire honnêtement, est musicalement quelque peu inférieur, celui de Wieniawski, qui est avant tout l'univers de la virtuosité brillante et parfois un peu creuse, eh bien, là aussi, elle reste encore parfaitement musicienne. Oui, et puis alors, surtout chez ce bon Wieniawski, qui a constitué pour certains d'entre nous un peu le supplice de la semaine, parce qu'il a fallu l'entendre à peu près tous les jours sous l'une ou l'autre de ses formes, et avec certains concurrents, ça nous a mis un peu dans l'univers du Teroum, pour ne pas dire davantage, eh bien, Stoïka Milanova a le remarquable mérite d'y conférer toujours une véritable distinction, une tenue musicale qui sauve de telles pages et qui en même temps en font ressortir les valeurs musicales. C'est par exemple le cas dans la polonaise de Wieniawski. Il y a un compositeur qui a eu au cours de ce concours une occasion que l'on rencontre assez rarement quand on est compositeur, c'est d'entendre sa propre œuvre jouée, je crois, une vingtaine de fois de suite. C'est le cas, bien sûr, de Paul Baudouin Michel. Et je crois que, malgré tout, il a pu faire à ce moment-là des comparaisons assez instructives sur la façon dont les concurrents restituaient son œuvre. Et je crois savoir qu'il a beaucoup apprécié ce qu'a fait le soviétique Kirschkorn. J'ai essayé de lui faire dire qui il préférait, il s'y refusait, mais enfin il m'a dit tout de même que Kirschkorn, par exemple, ou Epstein, ou Kantorov, étaient parmi ceux qui avaient le mieux restitué son œuvre, et là je crois que nous n'aurons aucun mal à le croire, car avec Kirschkorn, cette œuvre prenait vraiment toute sa couleur, tout son relief, elle était construite, ordonnée, et puis ce qu'il y avait de plus, et que l'on n'a pas toujours senti avec tous les concurrents, c'est qu'il en a fait ressortir l'esprit et la verve. Et lorsqu'il joue une des très grandes œuvres du répertoire contemporain, la sonate pour violon seul de Bartok, je crois que c'est vraiment une interprétation que l'on peut dire exemplaire. Oui, je crois que là, alors, il montre la maîtrise totale qui nous a tous surpris. Dès sa première apparition, on a eu le sentiment d'un artiste qui est déjà en plein au centre de sa carrière, un artiste qui n'a plus rien à faire désirer.
Ceci dit, encore une fois, nous sommes en train de faire des pronostics qui sont des pronostics strictement personnels. Je crois qu'en ce moment, d'ailleurs, tout le monde s'amuse à ce petit jeu, en coulisses, au foyer. Le jury, de son côté, le jury travaille, il travaille secrètement, il travaille beaucoup. Et finalement, disons que ce que nous faisons ici, ce sont des hypothèses. Si nous avons pu donner le sentiment qu'il y a l'un ou l'autre candidat qui nous avait particulièrement retenu ou intéressé, de toute façon, je crois que nous ne risquons pas d'être maudits par les candidats, puisque finalement, c'est au jury qu'appartient le dernier mot. Voici les candidats invités à participer à la finale. Irbei de Nam, en candidat, Désiré Dillem, en finale. Dans l'ordre alphabétique, in alphabetis ordre, Nikola Shumashenko, Madame Delcourt Korosek, Joshua Epstein, André Granat, Jean-Jacques Kantorov, Philippe Hirschkorn, Guido Kremer, Milanova, Roman Nodel, Uri Pianka, Joseph Ricine, et Suzuki.